Ah, il y a Ludo qui fête son anniversaire le 7. On y va? Oui, carrément. Mais comment on fait pour la petite? Bah, je sais pas, la dernière fois on l'avait emmenée, c'était bien passé, non? Oui, ça s'est super bien passé parce que c'est moi qui m'en suis occupée toute la soirée. Bah, c'est ce que je dis, ça s'est super bien passé. Non, mais il y a Émilie, Justine et Marion qui nous ont déjà proposé de la garder. Non, mais elles vont être là à la soirée de Ludo. C'est encore mieux comme ça, elles peuvent la garder sur place. À tour de rôle. Ah, mais ça sert à rien de proposer si au moment où on a besoin de toi, t'es pas là. Hein. Et comment ils font les gens pour faire garder leur gamin? Bah, ils demandent aux grands-parents. Ah, mais là, c'est chaud parce que moi, ma mère, elle est absente pour cause de décès prématuré. Et mon père, je pense que je confierais plus facilement mon père à mon bébé que le contraire. Bah, ouais. Bah, moi, mon père, il se balade sur une plage nudiste en permanence. Ouais. Et ma mère, elle a Alzheimer. Bah, c'est pas déclaré. Bah non, c'est pas déclaré, mais tu sens quand même qu'elle a elle a un sacré potentiel, ma mère. Hein. C'est pas faux. Du coup, on fait quoi? Bon, c'est bon, voilà. Ça y est. J'ai mis l'annonce sur supernounou.com. Il y a pas de photo sur ce site-là? Rêve ouais. Pas, de hein, toute façon. Hein. On va prendre que des nanas au-dessus de 25 ans. Hein. Je te connais, tu vas fantasmer sur elle. N'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça sonne déjà? Putain, c'est hyper rapide, ce truc. C'est ouf. C'est cool. Je fais quoi? Je décroche? Bah oui, mais mets-le haut par là. Allô, oui. Allô? Travail. Vous nous appelez pour l'annonce, c'est ça? Vous avez des références? Travail. Allô? Allô, oui. Bonjour, madame. Non, c'est monsieur. Ah, d'accord, pardon. Autant pour nous. Franchement, j'ai de l'expérience. J'ai déjà gardé mes frères et sœurs. J'ai travaillé chez Cora. Alors, pour mes références, j'ai un bac plus 4. Un CAP petite enfance et grande enfance. J'ai 12 frères et sœurs. J'ai également un diplôme d'infotologie. J'ai fait 44 colonies de vacances à Brest, à Saint-Tropez, en Corse, dans le Doubs. Moi, je garde les enfants directement chez Watt. Super. Et à ce propos, je désirais savoir si vous possédiez une alarme. Non. Et un gardien. Par exemple, si vous déménagez en pleine soirée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous voir? À moi, les enfants m'adorent. Ah, c'est bien ça. Et moi aussi. Ah, super. Leur peau douce, leur odeur. Bon, j'ai fait le calcul. Soirée resto, babysitter, cadeau de l'autre connard, Uber, ça fait la soirée à 200 boules. Donc, deux possibilités. On sort pas, hein, ce qui est plutôt pas mal. Ou alors, moi je sors, et toi tu restes, parce que j'ai l'impression que t'as pas super envie de sortir. Et la deuxième raison, c'est que de toute façon, pour un enfant, on remplace pas une maman. Allez, salut! Tu reviens ici, direct! Tu reviens, là, maintenant!